Salut à tous et à toutes, c'est Mister Wu. Aujourd'hui, je vais vous expliquer quelque chose que j'ai eu et aussi que vous le sachiez. En fait, il y a un petit souci au niveau de. J'espère que le son de Minecraft n'est pas trop fort. Normalement, j'ai mis à 10%. Donc, ça devrait pas gêner. Donc, si vous voulez, en fait, le problème que j'ai eu ici. C'est que en fait, le jeu, non pas le jeu, la vidéo que j'ai uploadée ici, vous avez remarqué qu'elle est moins bonne qualité. Roblox Woo Play. Là, donc, comme je vous ai dit, la vidéo là est de moins bonne qualité parce qu'elle a été deux fois compressée au lieu d'une fois. Pourquoi? Parce que j'ai voulu la compresser au début sur mon PC. Avec Handbrake, un logiciel d'encodage qui permet de compresser et de désalourdir les vidéos tout simplement. Mais le truc, c'est que du coup, ma vidéo elle faisait 8 Go, elle était top qualité et tout ça, non compressé, nickel. Elle est passée de 8 Go à 2 Go. Après, je l'upload sur Internet. Et ce qui se passe, je vous laisse deviner, bah YouTube recompresse une deuxième fois comme en bloquette. Et du coup, ça fait que ma vidéo fait encore moins de gigas. Et ça fait que du coup, il se passe ce qui se passe, hein, des artefacts dans la vidéo, surtout au début. Après, entre eux et à la fin, ça a l'air d'être moins flagrant. Mais voilà, ça a compressé, ça a endommagé pas mal la vidéo. Du coup, je suis un peu dégoûté, c'est un petit coup de gueule à moi-même de plus faire ça et d'être plus tenter être feignasse. Parce que après, j'ai envie de dire, je pourrais dire coup de gueule à YouTube, mais je sais pas trop en fait. Parce que je me dis que c'est automatique en fait. Ici, c'est pas quelqu'un qui check ou il n'y a pas un logiciel qui check et qui dit ok, vu qu'elle fait 2,5 gigas selon le leurre et tout ça. Tu sais, vous savez, une estimation comme ça et qui dit ok, on la compresse pas ou on la compresse moins fort, je sais pas. Il n'y a pas ça. Du coup, automatiquement, dès que vous uploadez une vidéo, elle est automatiquement compressée comme Handbrake fait. Du coup, ce que j'ai compris avec cette blague là, c'est que tout simplement, la prochaine fois, je ne la compresse plus. Et oui, je ne compresserai plus avec Handbrake, je uploaderai la vidéo comme ça. Parce que j'ai plus envie d'avoir cette blague. Et du coup, ici d'ailleurs, j'ai mis un chronomètre de 20 minutes pour déjà ce coup de gueule. Parce que je trouve que ça sert à rien de faire plus. C'était juste un petit coup de gueule comme ça pour vous dire que j'étais fâché contre moi-même d'avoir été con à ce niveau-là. Ça n'a pas de sens. Mais bon, c'était rigolo. Ah là là là. Je suis un peu comique. Hein. Je suis le seul mec au monde qui s'engueule lui-même au lieu de YouTube, tu sais. Non, non, mais je reconnais, c'est moi qui a fait une. Donc, oui, souvent, la plupart du temps, les gens ils vont vous faire un coup de gueule et ils vont vous dire ouais, c'est de la merde et tout ça. Mais le problème, c'est que moi, je prends en compte que, oui, certes, ok, mais le problème, c'est que c'est bien moi qui ai la cause en fait de ça. Parce que, en fait, c'est plus pour prévenir de ne pas faire la même gaffe que moi. Que d'engueuler YouTube en fait, parce que c'est de ma faute en fin de compte. J'aurais dû y penser que YouTube a éventuellement le même niveau de code. Je soupçonne qu'ils utilisent le même truc de source, open source, donc Handbrake, comme logiciel de décodage, parce que c'est le même niveau de taille à chaque fois que tu reçois la fin. Donc je pense que c'est le même. Ils utilisent une partie du code de ce logiciel-là quand tu poses sur YouTube et que ça fait le traitement, plus les séparations, etc. Mais bon, on va pas partir par là. Ça, c'est encore un autre logiciel, peut-être, je sais pas. En bref, voilà. Et du coup, le truc, c'est que, oui, si tu mets deux fois et tu désalourdis à ce point-là la vidéo, oui, elle fera peut-être plus qu'un giga si elle fait de base, elle faisait 1 heure et quelque chose, au lieu de faire 8 ou 2 gigas de base. C'est très très colossalement bien si c'est une vidéo que tu veux garder dans ton local, quoi, mais pas la mettre sur YouTube après. Parce que oui, du coup, c'est utile si au cas où tu ne sais pas uploader ou tu sais pas comment. Moi, je sais comment on fait, donc du coup, ça me sert à rien en plus, ça en plus. Voilà. Mais si au cas où tu sais pas uploader et que tu as juste envie d'avoir cette vidéo et la garder comme souvenir, mais t'as pas envie qu'elle ait une taille aussi grosse, bah à ce moment-là, oui.
Ça vaut le coup de le faire, oui, je l'avoue, ça peut être intéressant. Mais sinon, si c'est après pour uploader, laissez tomber, hein. Ça va être trop lourd, ça va être trop endommagé. La qualité va être dégueulasse. Ici, par exemple, vous voyez, la qualité est nickel. C'est parce que j'ai uploadé tout de suite la vidéo. Elle a eu qu'une seule fois une compression. Du coup, la qualité reste correcte. Mais si j'aurais fait le truc avant en bloquette, bah, vous inquiétez pas que la qualité serait dégueulasse. Bonjour. Oui, j'utilise un pack de textures spéciales. Saucisse grillée spéciale. Comme vous voyez, je sais plus son nom. J'ai oublié son nom. C'est un peu con. c'est un moulin. Je pense que ça se voit. Je l'ai construit de tête à 100% il y a quelques temps. Donc c'est pour ça peut-être qu'il n'est pas parfait, mais bon, on s'en branle. On est tout mou. N'oubliez pas que je suis tout mou, hein. Donc j'ai droit des excuses de tout mou moiteur. Alors là on a un joli UFB intérieurement ou extérieurement. Bonjour petit UFB. Et nous avons aussi ici un UFB encastré. Bonjour petit UFB qui est maintenant dorénavant désencastré. Bonjour. Êtes-vous Wouwou de vous. Non? Dommage, moi je le suis. Ah, ils sont rigolos, ces bêtes. Du coup, surtout juste un petit coup de tronche. J'aime bien inventer des conneries. Envers moi-même de dire tu es un imbécile. Ah ouais, ici en fait, je suis occupé à faire. Ben, je suis occupé à faire un truc tout simplement. Je l'ai pas terminé, hein. C'est une maison. J'ai pas d'idée en fait ce que je veux faire. C'est juste que de base, voilà, il faut. Merde. C'est de la merde. Ah, non. Non. Ah. Ah, voilà. Faut de base prendre en compte que là, il y aura des trucs. Là, c'est pour vous montrer l'idée. Vous imaginez des trucs là, hein. Vous voyez un peu l'idée? Voilà, etc. Donc tout ce que vous voyez là, les trucs, les couleurs de. C'est les charpentes où je dois mettre des murs. Pas forcément ces murs-là, hein, donc on est d'accord. C'est juste une démonstration pour vous montrer un peu l'idée de la maison. Mais voilà, entre séparations, il y aura ça. Et encore, j'ai pas si bien fait parce que en fait, à l'intérieur, du coup. Je peux mettre qu'un seul mur, alors qu'à l'extérieur, il me semble que j'ai fait par deux, c'est ça? Ah non, même pas. Ouais, c'est bizarre, il me semble que. Ah non, si, regardez. Là. Voilà. Du coup, si je veux dire en fait, en fin de compte, qu'à l'extérieur, c'est considéré comme un chalet, bah, je peux, selon l'endroit où je veux. Donc cette maison n'est pas terminée, bien sûr, mais on verra plus tard. Donc voilà, c'était un petit coup de gueule sur moi-même d'avoir fait cette connerie-là. J'ai compris la leçon, je le ferai plus. C'est parce que je voulais aller plus vite en uploadage, mais en fin de compte, je vous rassure tout de suite, ça ne change pas grand-chose parce que, en fait, quand tu fais le désalourdissement de la vidéo, ça prend plusieurs heures aussi. Ça m'a pris 5 heures pour la désalourdir et moins d'une petite de 20 minutes. Allez, j'ai peut-être gagné 40 minutes. Même pas. Donc c'est vraiment, ça vaut pas le coup si c'est à ce niveau-là. Donc voilà. C'est là que je comprends peut-être plus Bilouette avec son histoire, comme quoi ça lui prend du temps d'uploader la vidéo et tout ça. Et que elle a une fois liké mon commentaire, mais elle n'a rien dit. C'est peut-être pour ça, elle se dit, oui, mais t'es rigolo, toi, si je fais ça, après la qualité va être dégueulasse parce que YouTube va aussi compresser. Mais elle me l'a pas dit, donc je sais pas si elle est au courant de ça et que. C'est pour ça qu'elle n'a jamais réagi ou pas. J'en sais rien, ça restera un mystère. Comme vous voyez ici, c'est un monde que j'ai créé. Donc c'est un monde sandbox, donc créatif pour être plus précis. Et ce monde-là, en fait, tout simplement, je vais m'amuser à créer des choses et tout, faire des dessins et tout ça. Comme vous voyez, c'est ultra fluide, hein. C'est du 60 FPS constant. Bon, vous n'avez pas du 60 FPS constant puisque c'est du 30 FPS, mais. Je veux dire, en soi, c'est assez fluide pour que vous puissiez profiter en Wooboo vidéo motion. Voilà, ça veut rien dire. Comme ce que je dis habituellement.
Il est comique. Oh, que le mignon. Ouais, ben sur cette vidéo-là, je pense qu'on va se quitter. Je vais pas faire trop long cette vidéo-là, je pense. Parce que j'ai rien à faire, en fait, c'était juste pour vous faire cette remarque-là. Je vais uploader une autre vidéo s'il le faut pour d'autres choses. Allez, à bientôt. Bande de trucs.